en raison du tournoi de Roland-Garros. N'oubliez pas les paroles déprogrammées de l'antenne de France 2. Quand est-ce que le karaoké de Nagui fera son retour? Bonsoir et bienvenue dans N'oubliez pas les paroles. Cette phrase que prononce Nagui tous les soirs en ouverture de N'oubliez pas les paroles risque de se faire plus rare durant les deux prochaines semaines. En effet, en raison du tournoi de Roland-Garros qui a démarré ce dimanche 28 mai, les fidèles téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles devront donc composer avec du tennis. Roland-Garros s'achevant le dimanche 11 juin, l'émission de France 2 reprendra du service dès le lendemain à partir de 18h30. Toutefois, selon nos confrères de Pure Média, des rediffusions de N'oubliez pas les paroles pourraient être programmées en urgence au cas où la météo ou des annulations bousculeraient le calendrier de Roland-Garros. N'oubliez pas les paroles déprogrammées à plusieurs reprises en 15 ans d'existence, N'oubliez pas les paroles n'est pas sa première déprogrammation. Le 3 décembre dernier, l'émission avait été déprogrammée en raison du programme Téléthon 2022, Chantons pour le Téléthon qui était diffusé de 18h40 à 19h50. Le karaoké de Nagui était revenu à l'antenne deux jours plus tard. Plus récemment, le 16 mai dernier, alors que l'émission ne devait pas être diffusée en raison de l'ouverture du Festival de Cannes, N'oubliez pas les paroles a finalement été programmée à 18h25. Les deux autres programmes de fin d'après-midi, Affaire conclue avec Sophie Davant et Tout le monde a son mot à dire avec Sidonie Bonnec et Olivier Mine ont également vu leur programmation bouleversée. Ça commence aujourd'hui également déprogrammé de l'antenne de France 2. N'oubliez pas les paroles n'est pas le seul programme de France 2 à être déprogrammé durant ces deux prochaines semaines. Il en est de même pour Ça commence aujourd'hui, l'émission de Faustine Bollaert qui cesse d'absenter de l'antenne dès ce lundi 29 mai. L'émission fera son retour le lundi 12 juin. Toutefois, les demi-finales démarrant plus tard, France 2 proposera les jeudis 8 et vendredi 9 juin un épisode de Ça commence aujourd'hui à 13h55.